Si je suis réparateur ou constructeur, un peu des deux, mais on a commencé par être des réparateurs. Le premier but de l'affaire, c'était de savoir réparer ce qu'on vendait ou de vendre ce qu'on savait réparer. Enfin, c'est un petit peu la devise de la maison. Et puis, avec le temps, on devient attentif aussi aux plaintes des artistes. Quand on s'entend répéter 106 fois qu'il y a toujours cette note qui n'est pas terrible, ou il y a, pour finir... la réparation, elle se transforme en essais successifs et puis finalement on se passionne, on a envie de trouver quelque chose, quoi. C'est un peu ça. Bah, écoute, poussé par une curiosité toujours en éveil et une volonté de comprendre comment les choses fonctionnent, René Hagmann est aussi un inventeur. Tout part de son besoin de satisfaire au mieux ses clients, qu'ils soient de simples élèves débutants ou des musiciens professionnels. Son maître mot est l'efficacité, aussi bien dans son travail que dans celui de ses collaborateurs. Il arrive que les instruments qui lui sont confiés soient d'une grande valeur, à l'image de ses deux pièces de collection, un sarrusophone et un ophicléide, instruments du 19e siècle qui ont été placés entre ses mains pour une restauration. Il se focalise sur le long terme. Par éthique professionnelle, il met un point d'honneur à construire des relations de confiance et de pérennité avec ses clients, qui deviennent fréquemment ses amis, et même, pour certains d'entre eux, des proches collaborateurs. Son magasin, Servette Musique, est séparé en deux parties, l'une dédiée aux instruments à vent et l'autre aux guitares, instruments dont René Hagmann admet ne pas savoir jouer, mais dont il adore la sonorité, que ce soit du jazz, de la musique espagnole ou de la musique folk. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, puisque mon papa avait déjà un magasin de musique et il fabriquait déjà des instruments. Donc tout naturellement, je me suis intéressé. Je me suis d'abord plus intéressé à faire de la musique. Donc j'ai pris des cours, j'ai été dans une école de musique. Et puis petit à petit, je me suis aussi intéressé à la mécanique. J'ai fait un apprentissage de mécanicien de précision, mais parallèlement à ça, j'étais toujours fourré dans l'atelier de mon papa, qui à l'époque était à la rue des Charmilles. Et puis bon, ben ça, gentiment, le virus s'est installé. Soucieux de transmettre à son tour sa passion, René Hagmann a déjà eu plusieurs apprentis, dont le dernier est actuellement en train de terminer son apprentissage de facteur d'instruments à vent. Il sait s'entourer de professionnels de haut niveau, qui se complètent parfaitement. Sa petite équipe, d'une douzaine de collaborateurs, est une impressionnante mine de savoir et d'expérience. De Steven Roberts, un luthier reconnu, qui forme également des apprentis dans la lutherie, à Patrick L., spécialiste dans les instruments à hanches doubles, en passant par Yves Himmer, guitariste émérite et commerçant international. Apprenti, employé lui-même, occupe quotidiennement les multiples petites pièces que forment ses locaux. Chacune a sa fonction, et toutes sont reliées par d'étroits couloirs ou de petits escaliers. On peut passer en un instant du magasin de guitare à l'atelier de réparation des instruments à vent, à la salle de polissage des cuivres ou encore au stock des étuis. Cet enchevêtrement de pièces et de couloirs constitue un fascinant labyrinthe pour les non-initiés et dégage une atmosphère de convivialité et d'harmonie entre les différents corps de métier qui s'y côtoient. Ah yeah, t'as attaqué ça. On a attaqué le plugin, ça. Cette chose-là. Ouh, génial. C'est super. Vous avez fabriqué une petite série de ces nouvelles plaques. Sur les basses, ils ont augmenté. Sur les basses. En revanche, disons, le gros de la production. Et alors, comment est-ce qu'il se met? Ah, il y a un petit ergot. Ouais, comme une baïonnette. Ah oui, il y a une petite fraisure là-dedans. Bonjour Cyril. Bonjour. Ça va? Alors, ça commence à se présenter. Ah oui, c'est parfait. Ouais. Super. Bon, il y a eu cette période un peu trouble du début des années 90 où il y avait une espèce de crise qui a commencé comme ça vers 92. Où, voilà. Puis j'avais, ce que je craignais par-dessus tout, c'est de devoir prendre une décision du style, me séparer de quelqu'un que j'appréciais parce que économiquement ça pouvait plus, etc. Donc il y a eu quelques années un peu de doute à ce moment-là et ça m'a beaucoup stimulé pour aller de l'avant avec des inventions, des trouvailles, parce que je me disais simplement, peut-être que le salut vient par là aussi. Je vais vous présenter un produit qui est le fruit de notre création. C'est un cylindre pour trombone qui remplace avantageusement les anciens systèmes. Donc ça comporte un intérieur, une extérieure, le cylindre intérieur, la boîte. Cette partie-là pivote à l'intérieur et va diriger l'air dans les différents sens voulus. Alors on a cet objet-là qui est un tournage brut de la boîte. Ensuite on va y percer les trous, les entrées successives. Dans une opération de brasure, c'est une soudure à 700 degrés, on va souder définitivement toutes ces entrées et ces sorties. Là, on a, suite à la soudure, on voit d'ailleurs les effets des décapants sur la matière. Alors, cette partie-là commence aussi par une pièce brute sur laquelle on va faire l'ensemble des trous. Là, il y en a un peu plus parce qu'il y a des trous qui servent à la lubrification. On va adapter dedans par une expansion. On va glisser des tubes à l'intérieur qui vont être agrandis dedans. Alors ça, c'est assez particulier, c'est vraiment une opération propre à notre métier. La dernière opération va consister par un rodage, par une auto-usure avec des produits. On va ajuster le cylindre intérieur dans la boîte de façon à ce qu'il soit parfaitement ajusté. Je dis toujours, aucun fabricant n'aurait pu payer le nombre d'heures que j'ai passé à réfléchir sur les différentes choses. C'est impayable, ça, c'est une chose. J'ai la chance d'avoir pu le faire parce que j'ai une superbe équipe autour de moi et que le magasin fonctionne et que ça me laisse, moi, un peu de liberté. Ça, c'est la grande chance. Après l'invention de ce cylindre pour trombone qui maintient une parfaite qualité de la colonne d'air dans les instruments avant, René Hagmann s'est lancé, il y a 8 ans, dans l'élaboration d'une nouvelle clarinette. Associé à François Binda, grand clarinettiste et fabricant allemand de clarinettes de haute qualité, notre musicien passionné a dernièrement présenté un deuxième prototype très prometteur de cet instrument. En plus d'être inventeur, réparateur et constructeur, René Hagmann est un chef d'orchestre qui gère admirablement bien son équipe éclectique, aux instruments variés, pour avancer sur une partition sans fausses notes.